J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'une pochette surprise. On m'a envoyé une petite pochette surprise. Je sais qui c'est, parce que bah, du coup, par défaut, elle a dû me demander quelque chose pour pouvoir valider son envoi. Hein? Je vous dirai qui c'est après. Et je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, ça va être vraiment la surprise. On va l'ouvrir ensemble et je vais vous dire qui m'a envoyé cette petite enveloppe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est bien, bien scotché. Je vais essayer d'ouvrir ça. Comme je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je voudrais faire attention quand même. Alors, bah écoutez, tout en ouvrant, je vais vous dire de qui ça vient, la petite cachotière. C'est Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou qui m'a un beau matin demandé mon adresse mail. Et après avoir donné mon adresse mail, 30 secondes après, j'ai reçu un mail poirelé. Votre colis est pris en charge. Oula, Nanou, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Donc, on va regarder ensemble ce qu'elle a fait. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ose pas trop. Alors. Hop, là, j'arrache le truc. Je suis désolée, Nanou. Hein, mais... Tac, je voudrais découper, mais j'ai peur de découper, vous voyez. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça. Là, ça a l'air bon, là. Voilà. Alors. Il y a des petites choses. Alors, j'ai un petit mot que je vais garder pour moi. Ok. Un joli petit mot. Elle est belle en plus. Je vous montre juste l'image qu'elle m'a mis. Regardez. Une jolie gorgeous. Elle est belle. Alors, ok. Bon. Alors, je regarde. Je regarde. Qu'est-ce qu'elle m'a concocté? Nanou, oh bah oui, cette jolie pochette. Donc ça c'est bon. Donc bah déjà une jolie petite pochette Dreamer Design qu'elle a recyclée. Hein. Elle est très belle en plus. Elle est douce, elle est toute douce. Et dedans, qu'est-ce qu'on a dans la pochette surprise? On a, non. C'est rien, hein. Franchement c'est c'est pas grand-chose, mais. C'est toujours des petits gestes qui me touchent. Oh bah ouais. Oh là là. Alors, je sors. Je sors, je sors. Oh, petit washi. Je sors tout et on regarde un par un. Oh, ouais, bah ouais, Nanou. Oui, parce que pour la petite histoire. Oh. Tu. Non, mais non, mais fallait vraiment pas. Ouais, je sais. Elle m'avait dit, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est des choses qui me touchent. En fait, voilà, je suis musicienne. Et cette petite guitare-là de chez Auraloi, je ne l'avais pas encore eue. Moi, j'avais eu. Que je vous montre. Alors, je vide parce que je m'en sers comme poubelle à diamant pendant que je fais ma toile. Moi, j'avais eu cette petite tortue jaune. Et je me suis dit, oh, j'ai dit un coup, bah moi j'ai eu la tortue, j'ai pas eu la guitare, merde, pardon, je suis guitariste et j'ai pas de guitare. Donc, Auraloi, bah écoutez, comme elle en a eu plusieurs, bah voilà, elle m'en a offert une. Merci, merci Nano. Voilà la petite histoire, pourquoi cette guitare. Et en plus, et bah écoutez, elle m'a mis le petit porte-clés, toujours de chez Auraloi. Oh, c'est sympa. Et c'est pas la barquette fluorescente celle-là? Attendez, je regarde de mon côté. Je sais pas. Non, je vois rien. Mais bah écoutez, je vais la mettre à mes clés. Hein. C'est un petit porte-clés, donc le but c'est de le mettre à ses clés. Voilà. Après, la jolie fleur de chez Auraloi que moi je n'avais pas encore eue. Elle est toute belle. Ah ok, c'est une fleur en papier. Ok, bah écoutez, voilà la jolie fleur hawaïenne. Un washi tape avec les petites pattes de chat. J'ai deux chats à la maison. Voilà, petit clin d'œil.
Et puis, eh ben, qu'est-ce qu'on a là? Oh, bah oui, elle m'a laissé les stickers aussi. Oh, bah. Ouais, ça se sent que j'ai besoin de vacances, Nat. Voilà, les palmiers. Oh, le joli cœur. Voilà. Oh, il est joli aussi, celui-ci. Avec les belles vagues, enfin, les belles couleurs, là. Trop cool. Ouais, je sais, hein, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est un geste qui me... Enfin, ça me touche, quoi. Je me dis finalement des belles personnes existent encore. Enfin, c'est pas très français ce que j'ai dit. Il y a encore des belles personnes qui existent sur cette terre. Et le fameux Covermander au ralois avec le petit tiki. Il est trop beau. Trop canon. Voilà, trop bien. C'est trop bien. Voilà. Je suis super contente et super touchée, Nathalie, que tu m'aies fait cette petite pochette surprise. Ça me touche. Je vous fais bouger. Ça me touche beaucoup. Bah, c'est vrai que c'était un petit unboxing d'une petite pochette surprise. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Donc merci Nanou. Merci Nathalie. Tu sais ce que je pense de toi. Et voilà, tu sais, voilà, notre partage au quotidien. Enfin voilà, on se parle beaucoup, on se parle tous les jours. Donc. C'est une belle amitié qui s'est créée et voilà. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je suis assez pudique là-dessus. Donc voilà. Un gros merci, Nanou. Plein de gros bisous. Je vous invite à aller voir sa chaîne hein, si vous la connaissez pas encore. Je vais la taguer hein, dans cette vidéo. Comme ça, vous aurez accès, un accès direct à sa chaîne. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Bon. Eh bien, écoutez. On a fini? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!